Le tirage? A priori, ça se passe plutôt bien pour la deuxième manche. Un truc un peu particulier, on a hérité de deux ailes. Donc, une belle chance au tirage. Moi, j'ai l'aile au secteur de Jean-Bouin, qui a dû faire deux ou trois hier. Donc, plutôt intéressant. Ensuite, Stéphane Poitelet est au ponton handicapé à McDonald's. Donc, aussi les bonnes places, a priori. Pilou, le numéro 1 au secteur. Le secteur D, je crois. Enfin, oui, la, oui. Le secteur de la bulle, mais au numéro 1 là-bas. Ils vont pas être loin l'un de l'autre, en fin de compte. Oui, c'est ça. Teddy, au numéro 9, non pas le 6 surtout, parce que le 6 était en retrait. Le 9 sur une pointe à Jussy, ça s'est pris. Il a fait 2 hier. Et Polo, fallait être dans les 10 premiers numéros à la police et il a le numéro 6. Donc sur le papier, pour l'instant. Donc, votre capitaine a bien tiré pour une fois. Le capitaine, enfin lui, c'est pas lui qui a tiré, a priori, mais les organisateurs, on a tiré. Deux ailes. Et ils ont dit, le 23, ta place, il l'a pas tiré. Voilà. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à pêcher parce que la pêche reste la pêche. Cependant, on va essayer de faire fort sur la deuxième branche. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On n'est pas loin et il faut y aller. Il faut attaquer. Merci. Stéphane? Oui. Noir belge? Non. Non, ça ne le présente pas. Hein. Autre chose? La même chose. Un peu plus puissant. Ah, moi, alors personnellement, moi c'est du colorant alimentaire que je mets. Non plus. Ah, tu crois que c'est bien. Bon, ben. Ouais, oui, peu importe. Ton amorce, Stéphane, c'est gardon? Ça, c'est une amorce à gardon. Ouais. C'est une amorce à gardon. Ouais. Avec de la fiente et tout. Ouais. Combien en poids à peu près d'amorce t'as mis? J'ai mis 2 litres d'amorce pour 900 grammes de fiente. Ça va pas bon. À peu près. Ouais. Et donc là, un peu noir. Ouais. On va pas prendre de risque à l'aile. Puis ça après toute la semaine. Attention. Et puis beaucoup de terre. Donc tu utilises quand même de la terre de l'ancienne, est-ce que je vois? On peut le dire. Elle est belle. Encore, hein. Ouais, ça va. Et voilà. Stéphane, le fond identique partout? Ici? Ouais. Tu vas sonder quand même, tu peux peut-être déplacer ton truc, non ou pas? Pardon? Tu vas peut-être déplacer ton panier si jamais le morsage te plaît pas, non? Sur sa place? D'accord. Oh. Quand on a une aile, on n'a pas le droit de se plaindre. Gilles Godin. Je sais bien. On est à la pêche, mais pas de se plaindre. Ouais. C'est la première fois en 12 ans d'équipe de France que je touche une aile. Ah ouais. Jamais j'ai eu un tirage comme ça. On pouvait le faire. Bon, hier, c'était les Suédois, il avait fait moyen. Il était beau hier. Ah ouais. Ça va le faire. Aujourd'hui, ça va le faire. Au moins la troisième place. Au moins la troisième. Ça va le faire. Laisse-le, il est 3, il est 3. Laisse-le. Hein? Laisse-le, il est 3. T'as raison. C'est le maxi hier. Oui. Bah, on... Après, là, tu vont, sais. On va être déchaînés. Ah, on est d'accord. C'est sûr.
mettre du poids, mettre de retard, après il faut les charger aussi. Sans problème, il n'y a pas de malin. C'est sûr. Là, il n'y a pas de doute. Ça, la pêche, les c'est copains, pas... Les copains, ils ont fait tout ce qu'il faut. Pas de doute là-dessus. Mais Teddy a fait très très fort. Ouais, c'est bien, t'as mieux pour lui. Super. Mais vraiment très fort. Là. C'est bien pour lui, t'as mieux. Il va être content d'entendre ça. C'est lui qui a le moins de ce qu'ils vont faire aujourd'hui, hein, les équipes. Le vent s'est vachement levé par rapport à hier. Je pense que ça peut être bon pour la pêche. Voilà, j'espère que tu ne te trompes pas. Les Français sont contents de leur tirage, c'est tout ce que je peux te dire. Bah, là, déjà Stéphane Nader. Ah, c'est une aile qui a été tirée ce matin, mais pas par lui. Ah oui. J'essaierai de faire voir ça un petit peu dans la vidéo. Comment ça se passe? Comment ils font pour que les équipes qui n'ont pas eu d'ailes, ils s'arrangent à y mettre les ailes et ils font tirer les équipes qui n'ont pas eu d'ailes pour essayer de rééquilibrer le championnat. Merci à toi, Baptiste. Ça va, mon grand? Tu peux me parler un petit peu du tirage des Anglais puisque je vois que tu n'es pas loin d'eux. Alors, ici, le A3. Bon ou pas bon? On pense que c'est bon. Ici, ça a beaucoup de petits poissons normalement, quelques plaquettes. Il va falloir assurer le coup. Après, c'est B16 à la police. C'est dans l'amont, c'est pas mal. C'est là où ils se sont entraînés vendredi. Et après, attends, je vais te dire les autres numéros. Le C8, c'est là où s'est pris des poissons hier, des brèmes, je crois. Le D4, ça va être le plus délicat. Au Quai Gaillon, en face du Magno, les poissons vont avoir plus à l'amont. Alors maintenant on peut le dire parce que maintenant c'est un secret de polichinelle. Tout le monde derrière un pêcheur avec Matt Godfrey, jeune avec qui on s'est bataillé quand on était jeune en équipe nationale. Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme titre ce garçon? Alors lui il a juste gagné 3 fois des titres individuels quand il était jeune. Donc c'est surtout dans la catégorie cadet. Et puis je crois qu'il a aussi quelques places de vice-champion du monde individuel et puis bien sûr des médailles par équipe. Quoi. Et donc il a 26 ans, il a déjà participé à 2 championnats d'Europe avec l'équipe d'Angleterre. Tout le monde dit c'est le futur Scott Horn. Ah, c'est pour ça que tu es derrière. Enfin, quand tu vas pas le coacher, tu prends voilà, les conseils. Je prends des infos. Je prends des infos. Bon, bah oui. Quand j'étais jeune, on pêchait l'un contre l'autre et tout. Et après, il coachait comme moi. Et j'espère qu'il t'a mis des trempes. Ah, bah oui. Ah, bah, ça fait... Alors que c'est un ami. Saleté. Oui. A priori, c'est un des Français qui est là. Ouais. Ou un. Et après, le E12, donc à Jussy, hier, c'était bon dans les petits numéros. Donc. Alan, il est proche. Alan est là-bas. Il va falloir qu'il montre sa classe. Tu sais la classe de Mimi, je vais te dire ouvertement. Il était là hier. Oui. Tu sais ce que j'ai fait? Bah, je l'ai pas filmé. Ah, bah bravo. Ah, je suis super bon. Hein. Tu savais pas qui c'était? Bah, non. Non, je savais pas où il était. D'accord. Donc, tu me dis, bon, bah, je vais vite aller le voir. Ouais, mais c'est loin, c'est à Jussy. Mais j'y vais. Je commence par Jussy, là. D'accord. Je fais pas comme hier. J'ai fait l'erreur hier, donc maintenant, comme ils sont en train de s'installer, c'est un peu moins pour moi intéressant, je pense à Jussy. T'as rien à dire à Teddy? Je vais voir Teddy. À Teddy? Si, qui fait ce qu'il sait faire et puis ça va aller, ça va bien se passer. Il a Antoine Bérigny derrière, comment il fait pour faire des résultats avec un mec pareil? Ouais, mais il voit clair les gars, c'est bien. Il est très fort, il voit clair et Teddy est très impliqué et ça va le faire. Il a un œuf, il est motivé comme jamais. Stéphane Linder croit très fort en toi. J'avais quitté. Ah, mais c'est gentil. Moi, je crois en lui aussi. Je peux te garantir qu'il est motivé, le gamin, là. Bon, en même temps, il est au 24, c'est ça? Ouais. C'est la première fois qu'il a une aile. Tiens, tout ça vous le dire. Dans le championnat. Ça au novice, à moi, par exemple. Non. Bon, ça va, Mimi? Bah, c'est toi qu'il faut aller, nous. Il y a la police. On n'est que spectateurs. Non, c'est tout en bas, il y a Jean-Bourg. Non, ça va bien. Ouais, c'est carrément.
Ce qu'il aura amorcé, vous serez, ça sera trop tard. Non oui, on va y voir. Ouais. Un sou, une épaule. Titi, c'est copieux là ce que tu fais. Hein. C'est bien ça. Mais c'est copieux. Ça te plaît pas? Si, mais c'est copieux. Ah, mais on est pas là pour enfiler les paires. Hein. Non, on va essayer. T'as vu le. J'étais sur mon. Avec le vent. Il faut que j'achète cette paire. T'as remonté sûrement plus loin en flotteur. Ouais, j'ai monté jusqu'à 4 grammes. Ouais, parce que ça va tirer dans le fond peut-être, non? Ouais, ça tire. Et puis surtout après là, ça va être difficile, c'est de tenir la carte. On va voir. L'habitude de porter du loin. Les commissaires. Je suis en face. On était champion du monde il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans je crois. Ouais, c'est un beau secteur. Barbeau, Vimba. En rivière. Lui, si t'as pas le droit, il le fait. La ligne est dans. Ah oui. Ouais. Il m'a demandé s'il devait en faire coquer une. Ça sert de faire de la muscu. Hein? Ça sert de faire de la muscu. Voilà des coupelles quand il y a un plein vent comme ça. J'en mets deux, je suis mort. Je suis décédé sur la station. Bah là il doit me maudire. Hein? Là il doit me maudire. Ça va, c'est heureux là. Ah, tu as dit de tout mettre à couvert. Ouais, bah là il met plein fer. Hein. On la canne, on la R16, c'est pas non plus une canne. On la R16, il a appelé. Ça peut faire froc à tout moment. Ouais, je pense. Ça peut faire quoi? Ça peut faire crack à tout moment. Ah oui, bah t'as pas vu quand tu vas voir ça au voisin à la main. Comme sa canne, son repose canne. Il y a une carpe au bout. Canne comme ça. Bah il lui dit, fais la carpe. Il y a Yuri à côté, c'est bizarre quand il a amorcé. Ou alors une date avec tout. La Daiwa elle est fine aussi la canne. Possible qu'il l'ait fait exprès d'étaler et c'est prêt de recentrer les nefs. Oui peut-être. C'est faux. Bon ça en tout cas il n'a pas été terrible. Ouais. Si tu peux pas tenir la ligne. Mort sacré, c'est que tu peux pas y pêcher. Tu peux pas pêcher comme un con. C'est plus facile de rallonger que de raccourcir. Non, c'est normal. Ouais. Ouais, c'est le tapis de terre, il ne veut pas le faire à la main, je sais pas pourquoi. Ouais, que... Il préfère le faire en hauteur. Il n'est pas précis alors. Ça fume pas comme ça. Non, c'est tu ferais une fille. Bordure, ouais, extrême bordure bourriche.
ça doit descendre vite dans le fond. Ça fume et ça descend vite. C'est le but. Que ça... Là, ça te fait un petit appel quand même. Il met la blinde, Yuri. Il met la blinde, hein. Il a mis 20 boules et 20 coupelles. Ah, il est toujours avec son coup de 10 mètres là, non? Son coup de 10 mètres. Non, non, c'est rouge là. Elle a mis les boules à 10 à la main, ouais, quelques coupelles et à partir à 11, mettre que des coupelles. Ouais. En fait, ça fait le même truc que nous, à peu près, gros, sans merde. Il a juste claqué deux boules à 10 mètres. Ce qu'elle avait fêté d'hier. Ah non, hier, elle a fêté plus tard, la grosse. Elle a quand même fait un tapis là-haut pour rappeler. Bah, quand tu fais noir. T'attires en arrière. Ouais. Mais bon, parce qu'il faut attirer. Là-bas, c'est pas, on veut pas attirer. On veut juste prendre 3-4 tanks, ça suffit. Ah, a priori, c'était que des plaquettes sous les tracelettes hier. Des brèmes. C'est finlandais, il a pris que des brèmes. Apollo, il dit que c'était des poissons. Non, pas le finlandais, pas le finlandais. Le finlandais, c'est que des gros poissons. Des poissons de 700. Ouais, ils n'ont pas compris, je pense. Ouais. Ils n'ont pas compris, je pense. Après, ils ont fait un truc, ils ont produit ce produit. Et ah oui, il y a de l'eau. Ouais, Oui, il y a plein d'eau. Il y a un flotteur d'écart. Exemple exprès. Ouais. Pour éviter quand tu épuises un poisson, que tu épuises sur le coup. On fait toujours ça, quand tu fais des coups vachement Alexis, près. Alexis, fais le coup. 2 minutes. Bon. C'est bien s'il fait le coup pour être sûr. Bah si tu veux. Il est quoi, grainer? Ouais, il veut grainer. Mais ça, Yvoir. T'en as mis dans la coupelle quand même. Il y avait deux concours avant la deuxième. Tout ça. Il y a un concours à l'artillerie aujourd'hui. Ah, c'est tout ce qu'il y a. Il y a un concours à l'artillerie.